Zouf, là, donc la dernière fois que j'ai fait le direct, donc voilà, donc il y en a certains, ils m'ont demandé de faire la vidéo en français parce qu'ils ne comprennent pas le kabyle, ce qui est normal. Donc alors, ce que je voulais dire par rapport à l'histoire que je vous ai racontée hier, donc je vous donnerai la suite prochainement. Mais par contre, aujourd'hui, je voudrais bien vous faire une petite, comment dire, une petite vidéo qui est très très sensible. Justement, c'est pour sensibiliser certaines personnes qui sollicitent de l'aide envers les concitoyens, envers toutes les populations du monde en quelque sorte. Donc, je vais parler des gens qui sont malades ou qui ont un membre de leur famille qui est malade et qui font des, comment dire, et qui font des, voilà, de la sensibilisation pour récolter de l'argent pour des soins. Je comprends parfaitement cette démarche parce que en Algérie, c'est pas évident vu le manque de soins, le manque de matériel et tout le reste. Donc, quand on fait une demande d'aide financière, c'est tout à fait justifié. Sauf que ces derniers temps, en fait, les premiers temps, donc beaucoup de monde donnait beaucoup d'argent, ces derniers temps, les gens donnent de moins en moins. Pourquoi les gens donnent de moins en moins? Est-ce parce que c'est la crise? Non. Est-ce que c'est parce que le Covid-19? Non. Est-ce que parce qu'ils n'ont plus d'argent? Non. On a toujours un peu d'argent pour l'autre. C'est comme ce qu'on dit, voilà, le repas pour une personne peuvent le manger à deux. Ce qui veut dire que nous, on a aussi, on n'a pas assez d'argent, mais on garde toujours un peu d'argent de côté pour aider. Sauf que le problème, où est-ce qu'il se situe? Il se situe envers certaines personnes. Je ne dis pas tout le monde, hein. Il y a des gens qui sont corrects, il y a des gens qui ne sont pas corrects. C'est comme dans tout et comme partout dans le monde. Donc, il y a certaines personnes qui sollicitent de l'aide financière pour soi-disant une intervention, pour soi-disant un soin à l'étranger ou même dans le pays d'origine. Sauf que, il y a certains, ils disent, voilà, j'ai récolté tant, il me reste tant, et j'ai soigné, voilà, j'ai récolté tant, j'ai soigné pour tant, il me reste tant. Ce qui veut dire là, la personne, elle est correcte. Sauf que d'autres personnes, ils demandent de l'aide, tu ne sauras jamais combien ils ont récolté, tu ne sauras jamais si l'intervention a été faite, et parfois même tu ne sauras jamais si réellement la personne est vraiment malade ou pas. Donc, il y a certaines personnes qui ont été décelées par d'autres personnes, comme quoi ils ont reçu beaucoup d'argent, plus qu'il en faut, mais n'empêche qu'ils demandent toujours de l'argent. Donc, c'est ce qui tue l'entraide dans les communautés. Je vais vous dire encore une autre fois, il y a des gens honnêtes comme il y a des gens malhonnêtes. Donc, je vais vous raconter une histoire. Une histoire qui s'est passée il y a à peu près 5-6 ans. Donc, il y a 5-6 ans, voire même avant, les gens étaient très très généreux. Dès qu'on leur disait, voilà, on a besoin d'aide et tout le monde se rassemble pour donner, pour aider de n'importe quelle façon, même des associations qui faisaient des galas pour récolter de l'argent au bénéfice de ces malades. Sauf qu'avec l'abus de certaines personnes, donc cette générosité se diminue de plus en plus. Je vais vous raconter une histoire incroyable d'une personne, d'une femme d'Algérie, je dirais pas de quelle région. Donc, elle avait son fils qui était malade. Il avait un problème de cœur. Donc, il fallait qu'il le transplante très rapidement, sinon le gamin, il meurt. Donc, ils ont sensibilisé. Il y avait des patrons qui ont donné de l'argent. Il y avait l'association du village de chez eux. Donc, ils ont récolté de l'argent. Et aussi, le comité du village d'ici en France, ils ont récolté aussi de l'argent. Donc, ils ont récolté en gros 100 000 euros. Mais vraiment, c'est 100 000 euros. Donc, ils ont rapatrié la femme en France, et le fils aussi, enfin plutôt le fils avec la maman. Donc, ils les ont pris en charge, ils ont payé l'intervention dans la semaine, ils ont payé 60 000 euros l'intervention, parce qu'elle a été prise en charge, donc voilà.
Donc après, il y avait de la générosité des gens. Il y a un qui a donné son studio, l'autre qui faisait des courses chaque week-end, l'autre qui payait le transport, l'association du village qui leur donnait une certaine somme pour pouvoir survivre et tout ça. Donc la femme a été prise en charge, mais à 100%. Enfin, le gamin a été pris en charge avec sa mère. Sauf qu'avec le temps, la maman, elle a fait venir trois de ses enfants en France. Donc, voilà, pour un visa, visite, soi-disant, pour leur fils qui était, pour leur frère qui était malade. Donc, ils sont venus en France. Donc, ils sont restés ici. Sauf que la dame, elle a été voir le comité du village. Il leur a dit, écoutez, avant, vous me donnez une certaine somme. Maintenant, j'ai trois enfants en plus. Il faut vous me donner plus d'argent. Et donc, l'association du village, ils lui ont dit, non, hein, madame. Nous, on a pris en charge votre fils. On vous aide. Normalement, ça fait longtemps qu'on devrait cesser de vous aider. Pourquoi ? Parce que vous avez eu vos papiers pour votre fils. Votre fils, il a ses papiers aussi. Il a l'AH. L'AH, c'est l'allocation adulte handicapé. Il touche à peu près entre 800 et 1000 euros par mois. La dame, la mère, elle est salariée pour son fils. Parce que comme elle aide son fils, la CAF lui verse aussi une certaine somme. Ce qui veut dire ils ont à peu près jusqu'à entre 1300 à 1500 euros par mois. C'est suffisant pour une mère et son fils. Sauf que la dame, au tout début, quand ils l'ont pris en charge, elle disait « Je n'oublierai jamais le bien que vous m'avez fait, le service que vous m'avez rendu, vous avez sauvé mon fils, blablabla. » Le jour où ils lui ont dit « Madame, on ne peut plus vous subventionner, maintenant vous avez votre salaire, votre fils il a son allocation, donc maintenant on ne peut pas vous aider. » Qu'est-ce qu'elle a fait la dame ? Elle a dit non, vous avez récolté cet argent pour mon fils, vous allez me donner cet argent. Le comité de village lui ont dit non, on a récolté cet argent pour des soins, pour les soins de votre fils. Maintenant que votre fils est pris en charge par nous pour son intervention et l'État, l'aide médicale de l'État pour ses soins, maintenant vous n'avez plus besoin de cet argent. Cet argent, on va le donner à une autre personne qui a besoin aussi. Une autre personne qui est malade, qui veut venir en France, qui veut se soigner. Au lieu de demander encore une autre fois aux gens de cotiser, on ne cotise pas puisqu'il y a cet argent. Elle a dit non, c'est mon argent, vous me donnez mon argent. Donc alors, tous les habitants, tous les gens qui ont cotisé, ils ont la rage. Parce que ce n'était pas pour ça qu'ils ont cotisé. Ils ont cotisé pour soigner son fils. Du coup, tout le monde est intervenu parce qu'au fait, cette dame-là, ce qu'elle a fait, elle a carrément pris un avocat, elle a attaqué l'association du village, soi-disant, parce qu'ils lui ont volé son argent, l'argent de son fils. Donc, du coup, ce qui s'est passé, tout le village, que ce soit ici en France ou en Algérie, ils ont tous réclamé leur argent. Celui qui lui a donné le studio gratuitement, elle lui a dit, écoutez, au début, comme on était dans la joie et la bonne humeur, tu étais dans l'entraide, ce qu'on aidait votre fils, on vous l'a donné gratuit. Maintenant, j'exige du comité de village qui me paye mon loyer, un studio à Paris, c'est dans les 700 à 1000 euros, dans le 16e. Donc, je vous ai donné mon studio gratuitement, maintenant je veux être payé, je veux mon loyer. Donc, tout le monde, de lui réclamer de l'argent, etc., etc. En fait, à la fin, elle s'est retrouvée, au fait, elle s'est retrouvée avec des dettes. Merci. Elle s'est retrouvée avec des dettes, en gros. Donc alors, du coup, elle a arrêté l'affaire de justice et tout ça. Donc cette femme-là, elle a causé beaucoup, beaucoup de problèmes à toutes les personnes qui souhaitent être soignées et être aidées financièrement. Donc ça, c'est la première histoire. Je vais vous raconter aussi une autre histoire d'une autre dame aussi qui a soigné aussi sa fille qui est venue en France. Donc elle a récolté aussi pareil, comme ça, beaucoup d'argent. Mais elle était tellement correcte, c'est elle-même qui a dit à son comité de village, c'est bon, mon fils a été soigné, je vous remercie beaucoup, l'argent qui reste, je voudrais bien que vous le donniez à quelqu'un qui en a plus besoin. Voilà, je vous ai donné deux versions d'aide. Autre chose, c'est que l'aide avant, c'était un devoir. Quand on aide quelqu'un, c'est parce que c'était un devoir. Maintenant, l'aide est devenue un dû. Ça veut dire, tu aides quelqu'un, et l'autre, qu'est-ce qu'il va te dire ? Ouais, mais je t'ai rien demandé. C'est pas parce que tu m'as aidé que tu dois me réclamer.
Récemment, on a eu un petit différend avec une personne qu'on a beaucoup aidée. On lui a demandé tout simplement de faire un remerciement parce que nous, on a besoin de montrer qu'en quoi il y a des gens qui aident, il y a des gens qui remercient. La personne qui devait remercier par rapport à la valeur de ce qu'elle a pris, le remerciement qui est juste un écrit, elle a dit « Depuis que vous m'avez demandé, c'est pas parce que vous m'avez aidé que je suis obligé de vous remercier. » Alors ça, je ne la comprends pas. Bon, c'est pas grave. Le pire est à venir. Elle a dit « Depuis que vous m'avez demandé d'écrire pour vous remercier, je suis en souffrance. » Mon Dieu, mais c'est horrible. Comment peut-on être en souffrance quand on prend et quand on vous demande de faire un remerciement, vous êtes en souffrance? Oh, on a fait quoi? On l'a harcelé? On l'a tapé? Non. Si vous voulez même, pour vous le prouver, je peux même vous poster le message qu'elle a écrit. Je ne vous ai rien demandé pour m'aider. Effectivement, on n'a pas demandé parce qu'elle est venue faire son annonce qu'en quoi elle avait besoin d'aide. On l'a aidée, on lui a dit, fais un remerciement. Comme ça, les gens, ils vont aider aussi. Quand ils vont voir qu'il y a des gens qui aident et des gens qui remercient, les gens vont tous se mettre à aider. On va redonner cette confiance aux gens. Elle a dit, non, vous m'avez donné, c'est pas la peine de venir et de me demander. Je ne comprends pas, je ne comprendrai jamais. Et c'est à cause de ça que l'entraide est finie. On ne peut plus aider personne. Les gens, on ne peut plus faire confiance à personne. Vous voyez? Donc, je lance un appel à tous ceux qui réclament et qui demandent de l'aide. Demandez de l'aide, mais justifiez de ce qu'on vous donne. Et dites combien on vous a donné, dites combien vous avez récolté. Sinon, on ne sait plus à qui donner, on ne sait plus à qui ne pas donner. Vous comprenez? Bon, je pense que j'ai beaucoup parlé ce matin. Je vous souhaite une agréable journée et à la prochaine. Bonne journée et bon week-end.